premier culte du carême, des 40 jours à la préparation de Pâques, la résurrection de Jésus. Comme toujours, nous attendons notre secours du nom de Dieu, de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre et qui n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous écoutons la musique du psaume 25 et puis nous entendons la lecture de deux strophes. Ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui te prend pour espérance, mais que tout soit confondu qui rompe ton alliance. Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans la clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, au salut qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour s'étendre sur cette terre. Prions. Dieu, nous te remercions d'être en communion avec toi et les uns avec les autres, malgré les distances qui nous séparent. Nous ne pouvons pas tous et toutes nous rencontrer dans l'Église, mais il y a toujours le lien spirituel, la communion qui nous unit, même si nous nous trouvons chez nous, sans nous déplacer et sans profiter de l'espace sacré de cette Église. Mais il y a non seulement la distance physique qui nous sépare les uns des autres, il y a aussi la distance qui nous sépare de toi. Bien que tu veuilles toujours nous accompagner, mais il arrive que nous t'oublions, que nous menons notre vie à nous, sans tenir compte de ta présence, de ton royaume, de tes bons commandements portant sur l'amour, la douceur, le pardon et toutes ces vertus que ton esprit veut nous inspirer.
C'est pourquoi nous nous approchons de toi humblement, avec la conscience de nos défauts, de notre manque de foi et de fidélité. Aie pitié de nous, Dieu. Apprends-nous au jour le jour de vivre selon ta bonne volonté, en suivant Jésus-Christ, notre ami, notre sauveur. Et pour ce culte, nous te prions. Parle-nous, parle à nos cœurs à travers les lectures de la Bible et dans l'application de ces passages à nos vies, à notre temps, à la société dont nous faisons partie. Illumine-nous de ton Esprit Saint, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a deux lectures. La première prise du livre du Deutéronome au chapitre 8, où Moïse parle aux Israélites au bord du Jourdain. Et puis, il y a une lecture de l'Évangile selon Marc, au premier chapitre. Ce passage joue après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Nous continuerons au verset 11. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter et tout ce qui est à toi se développer, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnu de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur « C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » L'Évangile de Marc. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Nous écoutons la musique du cantique 242 et puis nous entendons les strophes. Thank you.
toi qui nous écoutes. Faire ton règne et ta splendeur dirige nos routes. Comme passe chaque jour, s'éteint sa lumière, mais le feu de ton amour sans fin nous éclaire. Pour le monde tout entier, ta sagesse est folle, mais la seule vérité est dans ta parole. Ton Église fonde en toi sa ferme assurance et découvre dans ta croix l'unique espérance. Nous cherchons joie et bonheur dans les jours qui passent, que ta paix et ta douceur en tout les dépassent. Sur notre ombre et nos clartés vienne ton aurore, pour que dans ta royauté l'univers t'adore. Chers amis, frères et sœurs, selon une habitude ancienne de l'Église catholique, ce premier dimanche du carême est consacré au récit de la tentation de Jésus dans le désert, durant 40 jours entre son baptême par Jean-Baptiste et le début de son ministère public. Beaucoup d'églises protestantes ont retenu ou réintroduit cette lecture pour ce dimanche. Selon le lectionnaire œcuménique, nous lisons cette année l'évangile de Marc, et voilà pourquoi nous avons entendu sa version de la tentation de Jésus. Cette version est bien plus brève que celle des évangiles de Matthieu et de Luc, où nous lisons comment le diable interroge Jésus 3 fois et comment celui-ci lui donne 3 réponses perspicaces. Bien que la version de Marc soit très brève, il serait bien possible d'y consacrer une prédication entière, mais plusieurs d'entre vous savent que je me suis promis cette année 2020-2021 de prêcher surtout sur l'Ancien Testament. C'est pour souligner la grande valeur de l'Ancien Testament pour la foi chrétienne, pour l'Église, voire pour toute notre société, malgré le mépris de ces écritures israélites qui ne cessent de se manifester. Mais le Seigneur Jésus ne peut pas être compris et suivi sans connaître ses racines israélites, juives. Là où l'Église oublie cela, elle dérape. Dans le chapitre 8, du livre du Deutéronome, nous lisons aussi le nombre de 40, mais là, ce ne sont pas 40 jours, mais 40 années. C'est la longue période durant laquelle le peuple israélite a erré dans le désert entre l'Égypte et la terre promise Canaan. Après la libération miraculeuse de l'esclavage en Égypte, le peuple n'avait toujours pas appris à avoir confiance en Dieu, l'Éternel, et en Moïse. À maintes reprises, nous lisons que le peuple libéré de l'esclavage s'est révolté contre Moïse et alors contre Dieu, entre autres par crainte du manque d'eau et de nourriture dans les déserts. Le peuple avait commencé à vénérer un veau d'or. Et une fois arrivés au bord du Jourdain, au bord de la terre promise, la majorité n'a pas osé y entrer. Selon les récits qui nous ont été transmis, c'était à cause de cet esprit de révolte et de crainte que Dieu a renvoyé les Israélites pour errer dans le désert durant 40 années. Si bien que toute cette génération querelleuse et ingrate devait y mourir et seulement leurs enfants pouvaient entrer dans la terre de Canaan. Cela semble une punition dure et impitoyable, et cela a contribué à une mauvaise réputation du Dieu d'Israël,
du Dieu de l'Ancien Testament. Mais comprenons qu'il faut lire ces récits comme des leçons pour la vie. Dans la Bible, le nombre de 40 années ou de 40 jours symbolise une période de préparation et d'entraînement. Du mot 40, on a formé le mot quarantaine, une période de 40 jours d'isolement, confinement, imposée aux voyageurs pour exclure le risque qu'ils introduisent une maladie contagieuse dans une ville, dans un pays. Dans notre temps de mondialisation, on avait pratiquement oublié cette mesure, mais durant la pandémie actuelle, elle a été réintroduite dans une certaine mesure pour une période de 5 ou de 10 jours. Et en général, nous pouvons vivre ces mois de confinement, de lockdown, comme une longue quarantaine partielle qui sert à endiguer le coronavirus. Par ailleurs, en français, la forme abrégée du mot « quarantième » a donné le terme « carême », la période de 40 jours, à peu près, les dimanches exceptés, les 40 jours avant Pâques. Alors, dans la Bible, les chiffres ont souvent un sens symbolique. Et j'aimerais souligner et montrer que les symboles de la Bible sont toujours d'actualité. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère public sans une période de préparation où il était testé. Et pour nous, il ne serait pas évident de célébrer la fête centrale de Pâques, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, il ne serait pas évident de célébrer cette fête début avril sans aucune préparation. Regardons de près maintenant la partie du discours de Moïse que nous avons lue. Au nom de Dieu, Moïse dit aux Israélites de ne pas oublier l'Éternel dès qu'ils se seront installés dans la terre promise, et dès qu'ils auront de quoi manger, et qu'ils auront construit des maisons, et qu'ils se seront enrichis. Moïse les prévient de ne pas s'enorgueillir alors de ces résultats futurs, disons plutôt de ces bénédictions, comme si c'est grâce à leur propre force, et à leur propre puissance, et à leur propre inventivité qu'ils ont acquis cette prospérité et ces richesses. Non, ils devront se rendre compte que tout cela leur a été donné, que c'est une grâce. Ils devront vivre tout cela dans une attitude de reconnaissance. Reconnaissance envers qui ? Envers Dieu, bien sûr. Car la Bible nous témoigne que la libération du peuple israélite n'était pas le mérite de Moïse et de son frère Aaron, mais que c'était l'initiative et l'œuvre de Dieu. À travers le désert, c'était Dieu qui les a sauvés de leurs ennemis et de la faim, de la soif, malgré leurs protestations fréquentes. C'était Dieu qui les avait conduits jusqu'au Jourdain, car c'était là où ils se trouvaient quand Moïse leur adressait son long discours, ce qui est le livre du Deutéronome. Cette attitude de reconnaissance, et j'ajoute d'humilité, serait très utile pour un bon nombre d'Européens vivant dans la prospérité et dans la fierté de leur succès, tout en oubliant Dieu. Je ne parle donc pas d'une reconnaissance des pauvres envers les bienfaiteurs qui partagent une partie de leur richesse,
Je ne parle pas d'une reconnaissance envers les gouvernements qui attribuent quelques privilèges à l'une ou à l'autre catégorie de la population, mais je parle de la reconnaissance envers Dieu qui nous a donné la vie et qui nous permet, malgré nos problèmes et nos soucis, d'avoir bon moral. Cette attitude de reconnaissance envers Dieu inclut la prière et la confiance qui donne une paix profonde. Dans ce pays, il y a des gens qui ont été très mal traités par les autorités, par le fisc par exemple, ou par les autorités qui ne sont pas disposées à dédommager les dégâts causés par les tremblements de terre en Groningue. Il n'y a aucune raison d'être reconnaissant de ça et des circonstances semblables. Les autorités et les grandes institutions ont créé des labyrinthes bureaucratiques affreux et inhumains, barbares, et malheur à ceux qui s'y égarent et qui y ont été enfermés là-dedans. Mais malgré la détresse que cela peut causer, certainement, il y a toujours ce fondement que nous appelons Dieu, ou l'Éternel, ou Seigneur, faute de mieux, ce fondement de la vie que nous connaissons grâce à Jésus-Christ. C'est ce que nous essayons de vivre et de partager dans l'Église, de partager avec tous ceux qui en ont besoin. Bref, cette attitude fondamentale de reconnaissance envers Dieu que Moïse apprend aux Israélites serait extrêmement utile pour toute notre société. Et je crois que là où une société quitte Dieu, quitte le Christ, elle perd quelque chose de si essentiel que rien ne peut la remplacer. Chaque substitut qu'on cherche n'équivaudra pas à l'original. Mais entre parenthèses, je reconnais qu'il y a même des églises qui n'ont pas toujours maintenu l'original, là où elles ont épousé l'esprit de l'époque. Peut-être il y en a parmi vous qui disent au sujet des récits des Israélites dans le désert et au point d'entrée dans la terre promise, mais ce sont des histoires, des légendes, comment pourrions-nous les prendre au sérieux? Pour ma part, je n'affirmerai pas que ce soit toutes des histoires dans le sens de légende, mais même si c'était ainsi, je dirais que le sens symbolique et spirituel de ces histoires a eu une influence fondamentale sur la spiritualité juive et chrétienne. On peut constater alors que ces histoires ont été inspirées d'un esprit qui nous surpasse, de l'Esprit de Dieu. Et grâce à cette inspiration divine, elles peuvent toujours nous apprendre quel est le sens de la vie, comment vivre, comment poser nos priorités dans la vie et où trouver le vrai repos, la paix de l'âme, même au milieu de la détresse. Et en principe, l'Église existe pour assister ceux qui vivent en détresse. Il me semble que ce passage du Deutéronome nous donne de quoi réfléchir et méditer dans ce temps du carême, durant ces 40 jours qui nous préparent à la joyeuse fête de Pâques. Même si nous nous trouvons en quarantaine, nous n'y sommes pas seuls. Nous avons toujours la Bible à lire et à méditer. Il y a la prière, il y a des cantiques si vous voulez, il y a la musique religieuse. Malgré tout, nous sommes des gens bénis.
Amen. Et prions. Nous te remercions, Dieu, de cette richesse infinie de connaître ces témoignages anciens de ta parole, de ta présence, des témoignages qui nous interpellent encore, nous qui vivons des siècles plus tard, car tu es toujours le même Dieu d'éternité en éternité. Tu nous donnes la vie, tu veux nous conduire comme tu as conduit les Israélites et les premiers disciples de ton Fils voici longtemps. Et tu veux nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie terrestre, même à travers la mort. Nous te remercions de cette richesse qui relativise tous les événements de notre temps, tous les soucis, toutes les douleurs. Et nous te prions, garde-nous, Dieu, dans cette piste que tu veux pour nous. Accorde-nous la joie de la foi si nous vivons un malaise, des difficultés, si la foi nous manque ou qu'elle nous échappe. C'est non seulement pour nous-mêmes que nous te prions, mais nous implorons ta bonté et ta grâce pour le monde entier, pour les peuples qui vivent dans une dictature dure, pour les pays dont les gouvernements ne sont pas prêts à établir la paix et la justice et la liberté. Nous te prions pour ceux qui vivent dans la précarité, pour ceux qui ont fui leur pays à cause de la violence et de l'oppression ou de la pauvreté et qui passent des années dans un camp de réfugiés sans aucune perspective. Aie pitié d'eux et ouvre l'avenir pour eux, où que ce soit. Nous te prions pour notre gouvernement qui doit prendre des décisions difficiles dans ce temps de pandémie. Donne ta sagesse à tous ces ministres qui y sont impliqués. Nous te confions tous ceux qui soignent les malades et les malades mêmes. Nous te prions pour ceux qui cherchent la sortie de la pandémie. Que tu bénisses les tentatives.
et prions en silence pour ceux qui nous sont chers. Et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a quelques annonces. Le 7 mars, nous attendons la pasteur Lisbeth van Hilton de Apeldoorn pour conduire le culte, comme toujours sous la condition de Jacques. Et puis, il n'y a pas de collecte concrète, bien sûr, mais je vous invite à virer votre don au compte de banque que vous trouvez au-dessous de l'information sur la vidéo ou sur la liturgie, si vous l'avez reçue. Maintenant, nous écoutons la musique du psaume 105, et puis nous entendons la lecture de quelques strophes. Sans fin, glorifier son nom très saint. Tous ses hauts faits sont merveilleux. Il comble ceux qui aiment Dieu. Son verbe fait mouvoir sur terre tout ce qui va vers la lumière. Dieu accorde au bord du Jourdain à son peuple un nouveau jardin. La terre sainte est mise à part pour que tout homme en ait sa part. À sa promesse, il est fidèle. Son alliance est éternelle. Il se souvient de ses migrants, ce petit troupeau d'errants, traité partout en étranger. Mais Dieu saura les protéger. À la fin de ce culte, nous recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur vous et vous donne la paix. Amen.
Mm-hmm.